Et peuple les gens. Ah, humain contre humain, on va s'affronter avec Zebus. Et moi qui vais ouvrir le bal. Alors Zebus qui stream lui aussi, vous savez peut-être pas sur ma chaîne. Akatsuki aussi stream. Et Gaelten fait des vidéos et stream sur le compte des Jeux du Cygne. J'aurais pu le dire au fur et à mesure, mais je n'y pense que maintenant. Sauf que voilà, Xebus, il peut streamer, mais il n'a pas de. Il n'est pas dispo aujourd'hui pour le vocal. Là tout de suite maintenant. On va essayer de se rater comme ça. Allez, c'est parti. Et donc, Xebus a un mortier. Et son héros a Furious Charge. Activé une fois par bataille. Ah oui, le commandant. Et c'est son armée de support. Il reroll l'attaque pour ce tour. Ça peut être très fort si on a envie que son commandant gagne. En l'occurrence, avec des chevaliers impériaux, on a envie que son cavalier gagne. Ouais, Retinue, c'est la suite, voilà. Vote d'honneur, ensuite. Je trouvais pas forcément un mot correct en français, mais effectivement la suite c'est pas mal. Enfin, c'est sûrement le nom officiel. Là, j'espère que pas. Donc l'unité qui supporte le commandant les. Et Perceval Griffon. 3-3. Oh, c'est beaucoup ça. Ah ouais, c'est beaucoup pour un premier tir. Par contre, il a deux unités de lanciers de 3 rangs de long à côté de la quête du mortier. C'est pas une mauvaise idée, ça. Mais quand je regarde les points, les longs rifles Skaven, ils valent 40 points les deux, alors que les Oh! catapultes. C'est pas cher, hein. Non, c'est pas cher, non. Parce qu'ils font très très mal. On les a vus contre. C'était qui jouait les rats? Enfin, bref, C'était c'est pas cher du Mazamara? tout. Il n'y aura pas d'armée qui aura rien, qui sera une cible inintéressante pour eux. Il y aura toujours une bonne cible. Au pire, c'est une. Comment ça s'appelle? Au pire, il tire contre du. Oh N'importe non! quelle cavalerie, à la limite, s'il n'y a pas mieux, n'importe quelle cavalerie, c'est déjà bien. Ouais, ou n'importe quelle unité, quoi. Ça reste une unité à distance. Alors que la catapulte, maintenant qu'il peut plus bouger des vampires, elle coûte 60. Qui peut plus Allez. bouger ou. Mais non.
Moi, avec les Skaven, je combotais mettre moins 3 à l'armure de la cible et tirer avec les Jezel. Allez hop là, putain, tout saute quoi, dégagez. Les monstres, ça dégage en deux rafales, c'est fini quoi. C'est même pas garant. Allez, on va tenter ça. Je pense que c'est une bêtise, mais c'est pas grave. Alors là, on est d'accord, je peux pas passer à travers mes propres unités. La baliste aussi, elle peut pas bouger et tirer. Il y en a que une, elle vaut 65 points. Non, non, c'est toutes les armes de siège normalement qui ont ça. Mortier, baliste, catapulte. Les petits Jezel, là, ils peuvent bouger et tirer. Qui? À moins qu'ils aient changé, je vais regarder. Qui ça? Je vais regarder. Ah ouais, ils sont fous ces bâtards, ils ont même plus un en mouvement. Non mais bien sûr, oui. Rank 48, power 5. Deux blessures, lethal shot. On bouge, on tire, on vous emmerde. Oh, long range. Non, là je suis coincé. Chaud. Excusez-moi. Ah, ça rentre pas. Ok. L'intérêt supplémentaire des Jezel, c'est qu'en plus t'en as deux dans l'unité, mais tu peux en ajouter. Tu peux en mettre trois. Là, tu peux en mettre plus, après c'est peut-être un peu cher payé, mais les trois, alors là, c'est trois Jezel. Ça doit valoir 60 points, donc 3 Jezel, c'est l'équivalent d'une catapulte en prix. Est-ce que... Ouais, j'ai quand même... J'ai quand même un bonus de charge, faut que je contre. Comment j'ai fait pour changer ma charge? En fait, quand... On peut le faire tout le temps. Ouais, enfin c'est... On n'a pas fait ce type de charge, quoi. C'est... On peut le faire tout le temps, mais c'est un... Il y a des subtilités, quoi. En fait, si je vise quelqu'un que tu me contre ma charge et que je n'ai pas encore confirmé mes charges, je peux redire, réorienter cette charge-là. Mais si j'ai déjà skip mes charges,
Je ne peux plus réorienter mes charges. J'avoue que ce bloc là, là. Il a avancé de 1/2 pixel, c'est lancier par rapport à son mortier. Ce qui fait que je peux pas me mettre sur le mortier parce que les deux lanciers sont trop proches et empêchent la truc. Ah oui, c'est légal, ça a toujours été comme ça. C'est aussi un moyen de... Je me doutais que t'allais me charger, et c'est un moyen de... De gagner entre guillemets une charge ailleurs, de gagner l'initiative ailleurs. Mais là, là j'avoue, c'est le premier qui me fait ça en tout cas, et c'est bien joué. Après, est-ce que j'ai envie de charger des lanciers? J'ai envie de dire que non, quoi. Mais ça va laisser le mortier avec deux cibles. Ah. Si, on va le faire quand même, allez. Oh là là. Albardier qui se sont juste fait défoncer. Se défendent bien ces lanciers. Vas-y, rejoue. Ce tour-ci. Ouais, c'est quand même vachement loin. Faut que je sois là, je crois. Ouais, là, je suis dans le dos. Ouais, faut descendre. Sur le côté, je veux dire. Là, je suis peut-être toujours sur le côté. Je sais même pas si quand il y en a un qui charge de face et l'autre de côté, on... Si c'est comptabilisé de face à face ou pas. Si t'es partiellement dans son front, ça va donner un face to face. Ouais, je pense que c'est ça. Si on se double charge d'un côté et l'autre face, c'est face à face. Xebus confirme.
Ah oui, mon héros est mort du coup. Effectivement. C'est la première fois que ça m'arrive. Oh là là. Une catastrophe. Ah, ça c'est pas mal. Moi ils sont échappés mais restés sur le terrain et pas ceux de Xebus. Ouais, là je ne peux pas. Pourquoi ça me montre la... Ouais. Tu peux pas charger les cavaleries légères. Qu'est-ce que j'attaque du coup? Les deux ont 5 de défense. De toute façon, tu vas me contrecharger sinon. Et plop, Neo QC. Ah oui, non, activer une unité. Une question sur Linux. Eh ben, dis-la moi, je t'écoute. Tu peux quand même. Non. Il s'enfuit toujours. Putain. Punaise, il reste une unité. C'est dommage. J'ai essayé plein de Linux avec Steam et j'ai jamais réussi à faire fonctionner un seul jeu, même en étant Proton. Ah. Ben je sais pas, j'ai jamais eu de soucis à ce point-là. Moi j'ai PopOS. Et j'ai pas de soucis. Je peux faire ça, mais tu vas me contrer. Si je t'attaque de flanc, il y a tous tes Spearmen qui vont quand même attaquer, ou seulement les deux premières rangées au lieu de la première rangée?
Ah si, c'est bon. Plus 1 défense extra rank ou singulier. Pas de soutien en flambé, si là. Extra rank supporting attack when not charging. Mais pas de flanc, juste de face. D'accord. J'hésite. Est-ce que je tire et après je me prendrai une charge de face, mais ça me permet d'avoir un tir à distance avec, avec 4 de power. Alors qu'au corps à corps, je ne suis qu'à 3 de power. Je pense que les unités à distance doivent rester à distance tant qu'elles le peuvent. Mais il va. Bon. Je sais ce qu'il va faire. Ça va lui permettre de bouger, de te mettre un coup de mortier et après de te charger. Tu seras bien plus affaibli que si tu avais fait une attaque de flanc. Oui, oui. S'il y arrive. Par exemple, si je fais ça, est-ce qu'il va avoir l'angle à la fois de me viser avec son mortier? Ouais, s'il y a des chances quand même. Oui, c'était quasi impossible. Je pense pas qu'il y a moyen d'éviter. Ouais. Bah si, oui, par l'autre côté, je suis con. Je le voyais seulement aller vers le bâtiment, alors qu'il peut clairement aller... Des deux côtés, hein. Oui, oui, bah oui. Mais c'est logique qu'il puisse aller des deux côtés, mais j'y ai pas pensé. C'est tout. Ah, et lui, il ralliait pas moi. Bon, l'avantage, c'est quand même que... Normalement, je protège mon Imperial Knight. Au prix de cher, mais... Ça lui laisse un tour de pour revenir. Oh. Ah non, mais il n'y a pas de défense pour... Ah, c'est vrai. Peacemate... Ils se mettent juste devant les foot. Super. Ce qui est terrible, c'est que quand il y a une unité qui fuit, qui vient se mettre en plein là où tu allais charger, au plein milieu de ouais. Ton unité qui allait tranquillement charger, peinard, et tu vois arriver des fuyards de merde. C'est là, mais non, mais... Mais barrez-vous en fait. Ah, quand même. Après, voilà le détour qu'ils vont devoir essayer de faire. Néo QC, si t'es toujours là, tu utilises, t'installes Steam comment? Avec Flatpak ou avec avec le système? Enfin, moi je crois que j'ai essayé les deux fonctionnent, c'est aussi ça. Avec Flatpak? Je crois que j'ai essayé les deux, mais en ce moment je suis... En ce moment, j'ai pas Steam avec Flatpak. Donc c'est avec le paquet APT de
De Ubuntu. Ah. Comment ça, Lost by 1? Ah oui, parce que je me suis fait attaquer quand même. Bah oui, les charges là. Il n'y en a pas. Non, tu vas quand même pas. Oh punaise, j'aurais dû bouger de 3 cm de moins là. J'aurais pu charger et. Ah, j'ai pas fait gaffe qu'il y aurait la petite visière là dans le trou de souris et je me cale pile à 100. Non, mais non. Au moins ça passe à la moitié de son unité, mais je pense que c'est la défaite quand même. Je me demande si pour garder le plus de points. Faudrait pas que j'esquive la charge et que j'aille me planquer derrière la forêt, vu qu'il a que le mortier à distance et que c'est le dernier tour. Parce que là, je lui tuerai pas la moitié de son unité de commandement. L'unité de lancier, elle est déjà à moitié détruite. Le mortier, jamais je l'atteins. Mais si je prends mon chevalier et je le cale ici, il meurt pas, ça fait moins de points perdus. Je vais tenter. Je sais pas si c'est moi qui joue en premier, j'ai oublié. Parce que normalement là, il peut pas me charger, il a pas l'angle. Et là, sa catapulte. De où la catapulte, elle voit dans la forêt. Bref. Normalement, sa catapulte peut rien faire et eux, ils n'ont pas de. Ça, c'est vraiment juste parce que je sais que c'est les fins du tour. C'est le dernier tour. Non. Ouais, voilà, tu peux pas tirer. Bien ce qu'il me semblait. Enfin, pas sur eux, tu peux tirer sur les autres qui se sont enfuis de toute façon. Bon, défaite écrasante, je m'incline. C'était quand même un beau match, je trouve. Hop là. C'est envoyé.
Ouais, j'ai déjà fait, j'ai envoyé la capture d'écran. C'est tout bon, Xebus. J'avoue que ton héros là, le Knight Commander, je n'aimais pas trop son pouvoir sur le papier, mais là j'ai bien compris à quoi il servait. The Cid, il y a Xebus qui te propose de faire une partie. En tout cas sur ce, Ouais, bah ouais. ça nous finit ce match. Au revoir la vidéo des.